Sœur Claire, c'est le 33e dimanche ordinaire de l'année A. Et aujourd'hui, c'est l'évangile des talents. Voilà, c'est presque la fin de l'année. C'est le dernier dimanche avant le dimanche du Christ-Roi. Alors, nous entendrons dans Saint Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Effectivement, le fameux évangile des talents. Des mines dans Saint Luc et des talents dans Saint Matthieu. Alors, il est écrit que Jésus parle à ses disciples de sa venue, nous dit la traduction liturgique, et il utilise une fois de plus une parabole. C'est comme un homme qui part en voyage, qui appelle ses serviteurs et qui leur livre ses biens. C'est une comparaison, une parabole, donc c'est un peu juste, et puis ça colle pas tellement finalement. Cet homme qui part en voyage, c'est le Seigneur. Bon, sauf qu'il ne part pas en voyage, qu'il est toujours là. Mais pourquoi on nous dit qu'il part en voyage? Parce qu'une fois qu'il a confié ses biens, une fois qu'il a confié la terre à l'homme, il laisse l'homme libre de la gérer, de l'organiser et de la faire fructifier. C'est pourquoi le texte, si vous allez voir dans la Bible, répète deux fois qu'il part au loin. Ça veut dire qu'il nous laisse collaborer à son œuvre de création. Il veut qu'on collabore librement à son œuvre de création. Voilà pourquoi il est dit qu'il part. Alors qu'en réalité, il est bien sûr toujours avec nous. Alors il confie tous ses biens à ses serviteurs. Ben, c'est Dieu qui a créé la terre pour l'homme et qui la lui a confiée, qui a donné la loi, qui a donné la parole à l'homme avec comme mission de la faire fructifier. Au verset 15, il est dit que à l'un de ses serviteurs, il donna 5 talents, à l'autre 2 talents et au troisième un seul talent. Je regrette un peu que la traduction liturgique dise « il donna une somme de 5 talents ». Il n'y a pas le mot « somme » en grec. Il donna 5, 2 et 1 talent. Pourquoi talent? Parce que ça veut dire que c'est quelque chose d'extrêmement précieux, ça représente une très grosse somme, ce qui veut dire que ce que Dieu nous a confié, ça a énormément de prix. Qu'est-ce que ça peut être? 5 talents, 2 talents, 1 talent. Alors, par exemple, celui qui a reçu 5 talents, 5 c'est le chiffre de la parole de Dieu dans la Bible. Ça peut être qu'il a reçu mission d'annoncer la parole de Dieu. Celui qui a reçu 2 talents, ça peut être qu'il a reçu mission d'insister sur le lien entre les deux commandements, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Celui qui a reçu un talent, ça peut être qu'il faut qu'il donne sa vie pour dire, proclamer que Dieu est un. Donc il n'y a pas d'injustice, vous voyez, les chiffres parlent toujours dans la parole de Dieu. Et on peut imaginer ça à propos de ces talents. Alors, il est dit que les deux premiers, aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'est mis à travailler pour faire valoir ses 5 talents, bien entendu. Il s'est mis à faire fructifier le don qu'il avait reçu pour annoncer la parole, pour évangéliser. Et donc, il a porté du fruit avec ses 5 talents. Celui qui en avait 2, même chose, s'est mis à travailler. L'importance du travail, Dieu nous a confié le monde pour qu'on travaille, pour qu'on fasse valoir ce qu'il nous a donné. Donc, 2 talents, pareil, il a travaillé pour faire comprendre au monde que les deux commandements n'en faisaient qu'un, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Enfin, je donne des exemples, ça peut vouloir dire tout ce qu'on veut, les talents, mais bon, moi je donne ces exemples-là. Et celui qui en a reçu qu'un, il l'a caché. Et ça, c'est extrêmement grave. La première fois que le verbe « cacher » est utilisé dans la Bible, c'est pour parler d'Adam et Ève, au chapitre 3 de la Genèse, au verset 8, pour dire que l'homme et la femme se sont cachés de devant la face de Dieu. Ils ont eu peur de Dieu parce qu'ils avaient péché. Se cacher ou cacher, c'est avoir peur de Dieu, c'est-à-dire accuser Dieu d'être injuste, c'est-à-dire se méfier de Dieu. Et cet homme qui a reçu un talent magnifique, Dieu est un, l'annoncer au monde, ou un autre talent, peu importe, cet homme le cache parce qu'il a peur de Dieu. Et ça, c'est terrible. Il reproduit ce qu'avaient fait Adam et Ève, et il refuse de collaborer à l'œuvre de création que Dieu lui demande. Ensuite, au verset 19, il est dit que
le Seigneur de ses serviteurs revient après beaucoup de temps. Il y en a qui trouvent aussi que le Seigneur tarde à venir. Il y a beaucoup de temps qui se passe. L'humanité reçoit des talents et puis le maître ne vient pas récupérer, ne vient pas, comment dire ça, ne vient pas prendre, recevoir tout ce que les hommes ont produit pour lui et de sa part. Mais vous le savez, le Seigneur tarde à revenir ou à venir parce qu'il attend que tous les hommes se convertissent. Et c'est ce très beau passage de la deuxième épître de Saint Pierre au chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de ce qu'il avait promis, comme certains l'accusent de retard, mais il use de patience envers vous, voulant que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir. C'est pour ça que saint Matthieu nous dit « Très longtemps après, le Maître revient ». Il revient et ses serviteurs se présentent avec leurs talents. Aux deux premiers, le Seigneur dit « Bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Bon, ça veut dire tu as fait exactement ce que tu avais à faire au moment où tu avais à le faire. Et ce que j'ai oublié de dire quand même tout à l'heure à propos des talents et qui est capital, c'est ce qui est dit à la fin du verset 15. Chacun a reçu exactement ce qu'il pouvait faire valoir, ce qui correspondait à ce qu'il est. Ça, c'est une constante avec Dieu. Dieu, ce que Dieu demande, il le donne. Et chacun a à faire fructifier les talents qu'il a reçus et il a tout ce qu'il faut pour le faire. Donc le maître revient et le compliment c'est ça. Bon et fidèle serviteur. Bon, conforme à ce que Dieu veut. Fidèle, ben parce que l'attente a duré longtemps et le serviteur a tenu bon pour gagner des talents supplémentaires. Il faut savoir que dans l'évangile, le verbe « gagner » la plupart du temps égale « sauver ». Vous irez lire saint Paul. « Je me suis fait tout à tous pour en gagner à tout prix quelques-uns ». Gagner, ça veut dire sauver ses frères. Donc ces talents que le Seigneur nous a donnés sont là pour que nous participions au salut de nos frères, bien sûr. Alors, aller les enterrer, ça veut dire se laver les mains, se désintéresser du sort de ses frères, refuser d'évangéliser, refuser d'aider son prochain, de prêcher, d'annoncer le Seigneur. Alors, les deux talents, c'est la même chose. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur. Et ça, c'est très beau parce qu'avec Dieu, c'est la joie. La joie dont il est dit dans les psaumes, que c'est accompagné de délices, de jubilation, d'allégresse, de paix, etc. Entre dans la joie de ton Seigneur. Quant au troisième, avec son unique talent, verset 25, la seule excuse qu'il trouve, c'est « j'ai eu peur ». Et nous y voilà. La peur, c'est le contraire de la foi. La foi, c'est une adhésion amoureuse à Dieu. Il a eu peur de Dieu, il s'est méfié de Dieu. Finalement, il a refusé Dieu. Et nous savons bien que ceux qui refusent Dieu, ben Dieu ne peut pas les forcer à l'accueillir. C'est la raison pour laquelle il est dit que ce serviteur sera jeté dans les ténèbres extérieures. Bon, ou peut-être le bon pasteur ira le chercher comme la brebis perdue, nous n'en savons rien. Je reviens un tout petit peu au verset 29. Où là, il y a quelque chose qui, en général, choque beaucoup à juste titre. Hein. Donc, il n'a qu'un talent, on lui enlève pour le donner à celui qui en a 5, enfin plutôt qu'il en a 10, puisqu'il en a gagné 5. Et il est dit ensuite, verset 29, « Celui qui a recevra encore et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. » Celui qui n'a rien, ça veut dire celui qui n'a pas travaillé avec ce qu'il avait. Il a refusé de faire travailler, de travailler avec le talent que Dieu lui avait donné. Ben, un jour, il se retrouvera les mains vides. Hein. Les mains vides parce qu'il n'a pas voulu collaborer à l'œuvre de Dieu. Bon, le texte se termine avec des pleurs et des grincements dedans, mais je rappelle ce que je disais tout à l'heure, il faut lire la totalité de la Bible, il y a d'autres paraboles où quand la brebis est perdue, ben, le berger il laisse les 99
et il va chercher la centième. Alors peut-être que cet homme qui a qu'un talent, hein, un jour le maître va laisser ceux qui ont 10 talents ou 8 talents, je ne sais pas, et puis il va aller chercher celui qui n'avait qu'un seul talent pour lui rappeler l'importance d'être à sa place, d'être dans sa vocation, hein, et d'accomplir l'œuvre que le Seigneur nous a donné d'accomplir. Sœur Claire, merci.